C'est avec un pile qui est content. Dans le moment ça, nous présents. Sur le plateau ça, dans la radio, télé, petit maman Marie. Pour nous porter, pour nos amis internautes, il y a une émission spéciale. Décor liturgique l'a déjà montré, c'est un moment spécial, une liturgie spéciale. Nous saluons Père Fancy Petit Homme, Petite Maman Marie. Nous saluons également tous les confrères prêtres qui ont toujours encouragé nous dans une belle émission, ça, qui ont toujours porté des suggestions pour nous en privé. Nous saluons également toute l'équipe technicien yo qui ensemble avec nous dans le studio qui a fait toute mise en place pour nous être capable de porter belle émission ça pour nous. Nous saluons DG Patrick, nous saluons Rubin, nous saluons également PL qui est ensemble avec nous et nous saluons Franck, nous saluons toute famille Petite Maman Marie et tout le monde qui branché Radio Télé Petite Maman Marie dans le moment ça. Émission nous en jeudi, c'est une émission spéciale parce que dimanche, c'est après un dimanche qui porte le nom dimanche des rameaux et de la passion. Ordinairement, nous toujours bail plan déroulement émission nous. Dans le premier point, on a pour origine dimanche spécial ça. Après, nous allons voir ensemble le déroulement de la célébration. Et ensuite, nous allons explication du texte que nous avons gagné pour nous lire dans la célébration. Que ce soit côté possession à commencer. Et ensuite, le texte que nous lire. Dans l'église. Après ça, on a fait une synthèse de l'émission. C'est comme ça, l'émission a déroulé. Nous disons, nous tous et nous chaque, bienvenue et bonne participation dans l'émission ça, qui est la liturgie du dimanche. Bonne participation. Mes amis internautes, si nous faisons brancher Radio Télé Petite Maman Marie, nous avec nous dans le moment ça pour nous porter pour fidèles amis internautes, il y a une émission spéciale. Je t'ai annoncé dans le commencement de l'émission, nous t'ai dit dans le premier point, nous allons voir ensemble. Origine dimanche spécial ça, dimanche des rameaux et de la passion. À Jérusalem, on célébrait dès le 4e siècle l'entrée du Christ dans la ville. 5 siècles plus tard, la fête se répandit en Occident. À Rome, ce dimanche était d'abord celui de la passion. En effet, la liturgie a associé les deux célébrations. La semaine sainte commence avec le dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur, qui unit le présage du triomphe du Christ-Roi et l'annonce de la passion. Le lien entre ces deux aspects du mystère pascal doit être mise en valeur dans la célébration et la catéchèse de ce jour. Zami internaute nous yo, fom avec ce mio. Dimanche Ramoa fait nous songer triomphe Jésus-Christ. Yorele le tout, dimanche la passion pour faire nous songer souffrance à la mort Jésus-Christ. Et il déjà a rappelé nous, histoire. L'an mort Jésus sous quoi, il n'y a pas prêté là. Deux événements ça yo, yo allé ensemble. Ça veut dire, yo c'est cocotte ak figao. Ça veut dire, yo n'y a pas marché sans l'autre. C'est un coup, nous t'a capable de dire,
c'est l'en droite ak l'envers yon rad. Ni la mort, ni triomphe, résurrection. Yon pa marche sans l'autre. C'est avec Dimanche Ramosa, Semaine Sainte-là a commencé. Semaine Sainte-là, il roule encore. Semaine des semaines. C'est une semaine qui va permettre nous tous et nous chaque pour nous vivre un gros temps dans l'église là et qui m'a dit pour nous faire un pile effort pour nous capable faire un pile provision de grâce dans mi-temps semaine ça. On a prendre une pause. On a tourné. Nous relais semaines ça, semaine des semaines, semaine saint ans, nous te dit déjà, l'a commencé avec Dimanche des Rameaux et de la Passion. Et je n'ai capable de remarquer décor liturgique là, vu avec présentateur là, nous les habillés en rouge. C'est déjà un signal qui montrait que dans Dimanche des Rameaux et de la Passion, le décor liturgique a changé, célébrant ensemble avec tout décor liturgique là, l'a changé en rouge. Nous dédions un dimanche spécial. Comment dimanche ça l'a déroulé? Célébration ça qu'on déroulé dans trois façons selon Jean y présenté dans Missel Romain. Mais n'a pas gagné chance dans moment ça pour nous présenter une seule façon pour nous montrer comment célébration ça lui-même l'a déroulé. Yon l'église qui gagne yon espace qui réservé pour ça, c'est là que bon Dieu a capable de réunir dehors l'église là. Là où fin réuni devant l'église là, nous capable de faire yon timonition d'entrée qui pas trop longue, mais c'est dehors la fête. Pour nous capables de montrer, demander Père Bon Dieu pour le disposer, pour nous capables bien vivre, célébration ça. Célébrant d'abord la saluer Père Bon Dieu, et ensuite, dans la missel là, il a proposé un commentaire qui a servi célébrant comme un rite d'entrée. Les lifin fait rite d'introduction. Après ça, l'a demandé peuple bon Dieu pour lever rameau yo en l'air pendant la bénio avec prière et ensuite l'a aspergé avec l'eau bénite. Moi veux attirer attention amis internautes nous yo, tout fidèle catholique yo, c'est prier célébrant faire, c'est lui-même qui bénira moi. Par exemple, là nous gagnons yon assemblée qui très en pile vu avec côté nous rassembler pour nous faire bénédiction à moi. Fidèle à qu'on tendance, depuis de l'eau bénite, l'en pas tombé sur Ramoa, le vin dit après, mon père, Ramoa n'en pas béni. Nous pas besoin de bailler tête nos problèmes, dans ce sens-là, c'est prier, célébrant, faire, c'est lui-même qui bénit Ramoa. Comme nous dans l'année A, père, ou bien diacre, après bénédiction, il y a gagné pour lire
yon l'évangile qui sorti dans le livre Saint Matthieu dans chapitre 21 pendant verset 1er nous arrivé verset 11 nous voulons rappeler fidèle yo les nous dans année A nous lit l'évangile Saint Matthieu les nous dans année B nous lit l'évangile Saint Marc et les nous dans année C nous lit l'évangile selon Saint Luc. Les pères fin béni ramoyo. Si gen diak nan célébration, c'est lui même k'ap gen pour proclamer l'évangile là k'ap sorti dans livre Saint Matthieu chapitre 21 pendant verset 1er pour nous arriver verset 11. Après l'évangile là fin proclamer kounya la possession a ap dirije vers l'église là et les célébrants rivé en dans l'église là li pa gagné pour le faire signe de la croix la commencer directement dans prière d'ouverture là après ça fidèle yo ap chita pour yo capable coûter liturgie de la parole là. Ça veut dire, ap genyen yon premier mot sur la Bible, ap genyen yon psaume, et ap genyen yon deuxième mot sur la Bible. Après ça, c'est proclamation l'évangile là, kap fait avec différents actants. Ça va dépendre de combien célébrants qui genyen dans la cérémonie ça. La petite pause, et bien après. Nous retournons pour nous capables de continuer avec suite émission 1 qui c'est liturgie du dimanche. C'est une liturgie spéciale parce que nous avons des décors liturgiques là, les changer. Le présentateur là dit habillé en rouge et c'est déjà montré décor liturgique là. L'a changé dimanche, c'est à couleur rouge. Nous avons arrivé dans un moment côté nous avons partagé pour le mot sur la Bible que nous joignons dans le livre d'Isaïe, chapitre 50, pendant verset 4 pour nous arriver verset 7. Isaïe, chapitre 50, pendant verset 4 pour arriver verset 7. Nous voulons rappeler amis internautes nous yo na bayo yon clé de lecture pour les ouvrir livre prophète Isaïe. Livre ça li divisé en trois parties. Nan première partie livre prophète Isaïe yo rele li proto Isaïe li commencé nan chapitre 1er pour arriver nan chapitre 39. Deuxième partie, c'est Deutéro Isaïe. Il a commencé dans chapitre 40 pour arriver dans chapitre 55. Troisième partie, il a Trito Isaïe. Il a commencé dans chapitre 56 pour arriver dans chapitre 66. C'est trois tickles ça yo n'a partagé ensemble avec vous pour leur ouvrir livre prophète Isaïe. Prophète Isaïe, c'est un prophète central dans l'Ancien Testament. Et texte nous parle tendez ya, nous joignons dans livre prophète Isaïe chapitre 50 verset 4 pour arriver verset 7. Ça veut dire nous dans deuxième partie livre prophète Isaïe qui reflétait d'abord déportation peuple juif là à Babylone, départ et la reconstruction du temple de Jérusalem
et il parlait également du retour du peuple Israël là dans terre natale. Texte nous saute là. N'a médité dans dimanche de la passion, livre prophète Isaïe qui pas de pensée avec Jésus-Christ l'elle t'a écrit texte ça. Même si en dans texte ça nous elle reflétait l'image du serviteur souffrant. Le prophète Isaïe t'a écrit livre ça, il pas de pensée du tout avec Jésus-Christ. Mais nous devons toujours mettre dans tête nous les noms en face d'une parole prophétique. Nous devons prendre sous trois angles. Une parole qui a un aspect passé, n'a revivre dans le présent et lui projeter l'avenir. Ça veut dire les prophètes l'a écrit. Nous devons mettez accent, nous devons penser avec trois moments. Passé, présent, futur. Et ça montre nous que la parole prophétique là, n'est pas jamais passé mode. C'est peut-être ça, en dans le texte prophète Isaïe, même si il reflète la situation du peuple Israël là, qui était en exil, qui t'a vivre de très mauvais moments, ça pas étonné nous ouais, il reflète même image Jésus-Christ. Mais il adressé avec peuple Israël là qui était en exil, il mandé pour faire bon Dieu confiance. L'elle dit peuple Israël là, yo fait figure dit tant roche, son façon pour le montrer yo, pour le dire yo doit prendre courage pour yo kembe fèm dans tout moment difficile y a rencontré. C'est un message d'espérance pour nous tous et nous chaque, nous même comme chrétiens qui pas suspendre vivre des moments difficiles, des moments douloureux, qui pas suspendre prendre gros frappe, gros patasswel. Non mais la vie, ça veut dire prophète là, l'a dit nous tous. Et nous chaque, nous devons kembe fèm, nous devons toujours placer confiance nous dans bon Dieu. Et dans le psaume, c'est le psaume 22, que le peuple Israël a utilisé le psaume ça pour lui témoigner reconnaissance li envers bon Dieu. Qui était dans les cris et puis qui réagit. Nous ne pouvons pas prendre le psaume ça pour nous interpréter à la lettre. Tant que le psaume dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous ne pouvons pas prendre pour nous interpréter à la lettre, pour nous penser que son bon Dieu a abandonné nous, son bon Dieu, nous relève, il n'est pas tendu nous. Somnant la témoigner reconnaissance peuple Israël là te gagné envers bon Dieu et qui retire yo dans bas fond la mort. Ça c'est parce que yo utiliser expression bas fond la mort, c'est pour nous capable montrer nous exil là il était considéré comme un peuple qui était mort. Exil là était considéré comme un condamnation, exil a été considéré comme une punition. C'est dans ce sens ça, psaume ça lui-même lui écrit, son psaume que le peuple Israël a utilisé pour le témoigner reconnaissance envers bon Dieu. N'a quitté nous avec des trois petites questions, tant que gens nous avons toujours fait pour nous prendre une pause après nous fin d'entendre pour un mot sur la Bible accompagné de psaume là, nous toujours bail une question de réflexion. Qui est nous confesser péché nous. Qui l'est pour nous confesser péché nous? Qui l'est pour nous confesser péché nous? Qui l'est un chrétien capable de perdre sans péché? Qui l'est un chrétien
capable de perdre sans péché. Est-ce que un chrétien capable de faire Pâques sans lui pas confesser? Est-ce que un chrétien capable de faire Pâques sans lui pas confesser? Première question, hein? Qui l'est pour nous confesser péché nous? Qui l'est pour nous confesser péché nous? Qui l'est un chrétien capable de perdre sans péché? Qui l'est un chrétien capable de perdre sans péché? Est-ce que un chrétien capable de faire Pâques sans lui pas confesser? Les amis internautes nous, on a une petite pause pour nous respirer le temps pour nous capables de répondre aux questions en bas live là. Je me dis déjà et m'a pour dire encore, ce n'est pas une émission m'a fait pour comme, c'est une émission m'a fait avec participation de nous tous et nous chaque. Les amis internautes, nous espérons nous bien répondre aux questions. Nous te dit qui l'est pour nous confesser péché nous? Est-ce qu'un chrétien capable de faire Pâques sans lui pas confesser? C'est une question personnelle qui mérite une réponse personnelle. Nous avons même pour question ça, lui mettez nous face avec conscience. Parce que nous avons plan bon Dieu pour nous, lui veut sauver nous, lui veut bonheur pour nous. Mais il faut nous quitter la route perdition, il faut nous quitter la route péché, il faut nous quitter la route qui mène nous dans l'affaire pour nous embrasser la route qui mène nous dans le chemin bon Dieu. Nous jouons dans le deuxième mot sur la Bible. Dans la deuxième lettre, Paul écrit pour Philippiens. Prenons verset 6 pour nous arriver à verset 11. Dans la lettre, Paul écrit pour Philippiens. Il témoigne reconnaissance avec affection et puis soutien. La communauté de Philippiens te bali après deuxième voyage li à Rome que nous connaissons, tu fait expérience prison. Li montre dans texte ça Jésus-Christ qui c'est petit bon Dieu, Jésus-Christ qui c'est bon Dieu. Et Jésus-Christ qui c'est petit bon Dieu et qui c'est bon Dieu à travers Jésus-Christ bon Dieu dévoilé l'amour que lui-même il a pour nous, que lui montre nous, c'est un amour qui sans faille, c'est un amour qui parfait, c'est un amour qui gratuit et c'est un bonheur qui pas jamais fini. Mais pour nous découvrir l'amour ça, pour nous découvrir bonheur ça, pour nous participer dans bonheur ça, faut que nous écouter parole là. Alors, nous mettez dans tête nous à chaque fois dans la Bible là yo utiliser le verbe écouter li symboliser pratiquer en même temps li signifie pratiquer hein? Pratiquer la parole de Dieu, mettez parole bon Dieu en pratique dans la vie nous et en même temps que me veux rappeler nous c'est avec cœur pour nous capables d'entendre des paroles. On écoute avec le cœur. Paul montre-nous en dans texte ça, une humilité qu'a dégagé sur toute la ligne. L'amour avec humilité, ils tous les deux qui embrassaient, ils tous les deux qui abaillent la main. Et qui va déboucher sur une véritable confiance. Je nous dis là, dès nous dans année A, nous lisons l'évangile Saint Matthieu, dès nous dans année B, nous lisons l'évangile Saint Marc, dès nous dans année C, nous lisons l'évangile selon Saint Luc. Pour dimanche de la mort et de la passion, nous ne voulons pas nous confondre l'évangile nous lisons.
côté nous te fait rassemblement pour bénédiction à mort. On va venir nous confondre avec l'évangile nous parler dans l'église là. Liturgie a deux possibilités pour nous capable lire l'évangile Saint Matthieu. Yo bail une lecture longue, yo bail une lecture brève. Si c'est lecture longue là, y a plié dans l'église là, y a prendre dans livre Saint Matthieu chapitre 26 verset 14 à 27 puis verset 66. Si c'est texte bref là y a plié, y a prendre dans Saint Matthieu chapitre 27 verset 11 pour arriver verset 54. Veux nous mettre ça bien en tête nous. L'étudier a deux possibilités. L'étudier a un texte long, il a également un texte bref. Texte qui long, il commence dans Saint Matthieu, chapitre 26, pendant verset 14 pour arriver verset 27, puis verset 66. Si c'est un texte bref, on apprend dans Saint Matthieu, chapitre 27, verset 11 pour arriver verset 54. Dans l'évangile ça son l'évangile qui a demandé en pile énergie parce que son l'évangile qui pral présenter, qui pral proclamer avec en pile intervenant. Ça veut dire au moins n'a gagné 4 intervenants. N'a gagné Jésus, n'a gagné yon lecteur ou bien yon narrateur, n'a gagné foule là, ensuite n'a gagné disciple là. Ça veut dire son l'évangile que nous allons voir qu'a fait avec 4 intervenants. Et dans l'évangile ça qui présente nous, n'a vienne Jésus la donne, n'a vienne Judas, n'a vienne Pilate, n'a vienne foule là, n'a vienne disciple et ensuite Zami Jésus avait dit n'a vienne en dans disciple gagné qui était bon ami Jésus. En dans l'évangile ça nous pral ouais une petite ressemblance avec l'évangile premier dimanche dans temps carême là qui était présenté non trois types de tentations. Et c'est avec trois types de tentations ça nous pas faire allusion en dans l'évangile ça. Tentation capable venir sous forme l'argent, il capable venir sous forme pouvoir, il capable venir également sous forme connaissance. Mais n'a prêté sous deux types de tentation. N'a prêté sous l'argent, n'a prêté sous pouvoir. Gay moun dans la vie à mener sous terre pour pouvoir yo y a fait n'importe qui bagaille pour yo conserver pouvoir yo y a fait n'importe méchanceté pour yo conserver pouvoir yo y a fait n'importe abus. Gay moun également dans même société ça pour yo conserver pouvoir yo pour avantage yo pour intérêt yo y a trahi moun, y a bafoué, y a injurié, y a fait hypocrisie, y a bail menti, y a vann consciencieux. C'est ça nous va écouter dans l'évangile là. C'est un évangile qui est très long mais qui gagne en pile message. Nous tous et nous chaque n'a besoin yon aspect pour nous méditer dans l'évangile ça. Ça veut dire la retracer dimension la vie nous, la retracer aspect la vie nous. Et dans même l'évangile ça et même pendant semaine sainte là nous pral revivre pendant semaine sainte là, pendant tout temps fort ça yo nous pral revivre de
première station jusqu'à ce que nous arrivions dans la 14e station. Ça veut dire la refléter l'histoire, la vie nous toutes et nous chaque, la embrasser réalité, la vie nous toutes et nous chaque. C'est ça en gros, nous avons rencontré dans l'évangile ça et même pendant toute la semaine sainte. Nous avons quitté nous avec une petite question, le temps pour nous retourner pour synthèse émission. Qui gens ont comprendre comportement Judas, Pilate, ensuite Foula. Qui le sont arrivés tirer pour la vie personnelle. Là au fin côté l'évangile ça. Qui le sont arrivés tirer pour la vie personnelle. N'a pas été réfléchi, n'a pas tenu pour synthèse émission. Frère avec Samuel, amis internautes, nous arrivons dans la dernière ligne droite de l'émission. Ordinairement, à chaque fois, nous arrivons dans la fin de l'émission. Nous toujours faisons une petite synthèse de tout ça. Nous t'entendons tout ça, nous te partageons ensemble. J'en ai regardé le présentateur là. Ça a déjà montré que le décor liturgique là a changé. Dimanche, c'est le dimanche de la mort et de la passion. La couleur liturgique là, c'est à rouge. Dans le mot de la Bible, nous avons dit Israël, qui c'est petit bon Dieu, il a souffert. Malgré qu'il a souffert, il a été ferme jusqu'à la fin. Et puis, il a joué une délivrance là. Ça a montré que nous avons tous les depuis nous faisons Dieu confiance, quel que soit Jean Saïe, depuis nous avons la prière avec confiance, depuis nous avons la prière avec persévérance, depuis nous avons la prière avec conviction, la vie nous a privé, changé. Et nous avons besoin de chemin de divorce. Bon Dieu, il n'est pas capable de résister avec la prière. C'est une pique faiblesse, bon Dieu, c'est le la prière avec confiance. Et n'a pas la prière avec conviction. Et n'a pas la prière avec persévérance. Et psaume montre-nous le peuple Israël qui utilise le psaume ça pour témoigner de reconnaissance envers mon Dieu. Que dit le côté bon Dieu. Bon Dieu était en train de crier. Deuxième morceau de la Bible qui montre-nous, Paul a dit nous, l'amour bon Dieu a. Gratuit, bonheur, bon Dieu pour mettre nous, des gratuits. Dans ce sens, pour nous capables de bénéficier, bonheur, bon Dieu, pour nous capables de jouir l'amour, bon Dieu, gagne pour nous à travers petite Lia. Il te montre nous ça, son signe vraiment, un signe d'humilité, un signe de confiance. C'est pour nous écouter la parole. La Vierge Marie, tu tends des paroles là, il accueille la parole. Joseph, tu tends des paroles là, il accueille la parole. Abraham, tu tends des paroles là, il accueille la parole. Et vous-même, je dis, si vous tendez vos voix, bon Dieu, fermez le cœur. Et l'évangile là, pour nous arriver à comprendre, il y a trois types de tentations pour nous toujours essayer d'éviter dans la vie. Pour ne pas quitter l'argent, faire nous faire tenter. Pour ne pas quitter le pouvoir, faire nous faire tenter. Pour ne pas quitter n'importe quel avantage, faire nous perdre réputation, non? Sale image. Non, non, c'est des bagages qui ne vont pas me rapporter. Non, il y a des bagages qui ont mouru, quitté. Ils ont quitté également. Pour connaissance. Fais-nous mettre l'autre là sur le côté. Ils ont quitté connaissance. Fais-nous pas garder le monde pour rien. Mettez le monde sur le côté. Pas garder le monde pour rien. Pensez-nous plus passer le monde. Pas garder le monde. Monde, passe monde, bagay monde qui plus, passe monde. Et bon Dieu, il montre nous ça.
li remè nou tout et nou chak. Nou di Pè Fonzi, petit homme, petit mon mari, qui te conté mette une belle émission sous pied comme ça. Liturgie du dimanche, pour aider nous vivre la foi nous, qui pour accompagner nous, qui pour veiller sur la foi nous. Nous disons merci avec tout le monde qui branche la radio, c'est les petits mamans Marie qui a vécu belle émission ça ensemble avec nous. Nous disons merci également avec tout le fidèle paroisse, avec tout le fidèle catholique nous qui rentre dans l'ambiance. Émission ça qui pote un peu la suggestion, nous disons merci parce que sans nous-mêmes, l'émission va pas salir. Nous disons merci à DG Patrick qui fait un peu de sacrifice pour nous être capable de présenter l'émission ça. Nous disons merci également avec PL, merci avec Franck, nous disons merci avec Eruben qui a fait tout le préparatif pour nous être capable de présenter sur le plateau ça, radio, télé, petit normal. Nous disons tout et nous chaque déjà. Bonne semaine sainte. Profitez semaine sainte ça pour nous faire provision de grâce. Pour nous capables de faire façon pour nous rayer péché, détester péché, éviter péché. Et pour nous faire façon pour nous insister dans bien, pour nous persister dans bien, pour nous résister devant mal là, pour nous résister devant tentation. C'était serviteur non, Père Joseph Delva, qui est vicaire dans la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Merci en pile. C'est pour grand-mère là toujours vider en pile bénédiction sous nous en abondance.